Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes ici présentes pour vous présenter votre émission préférée Au cœur du collège Marianne. Avant de commencer, nous voulons vous remercier d'avoir regardé chacune de nos vidéos. Pour l'émission du jour, vous avez deux grandes animatrices avec vous. Moi, Kélanie Joseph, promis, je fais la première année fondamentale. Et moi, Angelita Enajusmon, je fais la deuxième année fondamentale. Comme vous avez l'habitude de faire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager chacune de nos vidéos. Avant de commencer, nous voulons vous remercier d'avoir regardé chacune de nos vidéos. La fille, quel est le thème de l'émission du jour? L'amitié est un don du ciel. Un ami est une personne sur qui on peut compter, raconter nos petits secrets. C'est aussi celui qui nous tient dans ses bras, qui nous fait un petit câlin quand nous sommes tristes. Il nous rassure quand ça va mal. Un ami nous dit la vérité même quand ça va mal. Il ne nous dit pas ce que l'on veut entendre, mais ce qui est bien. C'est pour cela que nous pensons que mamie et papy sont nos premiers amis. Ils font d'énormes sacrifices pour que tout marche bien dans notre petit monde. Merci Christy pour ce beau texte que tu as lu pour nous. Et vous les filles, qu'est-ce qu'un ami pour vous? Pour moi, un ami, c'est une personne sur qui on peut toujours compter. J'aimerais bien ajouter quelque chose. Pour moi, un ami est une personne qui m'aide et qui me donne des conseils. Je suis Béry Sarah Kéla Jean-Louis. Je suis en deuxième année fondamentale. Pour moi, un ami, quand je pleure, il me console. Merci. Je m'appelle Jean-Philippe Lord China. Pour moi, un ami, quand je suis à l'hôpital, on appelle toujours mes amis pour me consoler. Merci. Je m'appelle Eximan Saksandebi. Un ami pour moi, c'est quelqu'un avec qui je joue, je donne des blagues. Merci. Félicitations les filles pour vos belles définitions de l'amitié. Qui s'appelle Mélée. Elle est très gentille. Je me souviens une fois quand j'étais malade. Puis,
mes amis étaient ici, venus me voir à l'hôpital. Ils sont joués avec moi, puis j'ai mis mes sandales. Et je laissais le lit, puis j'étais guérie au même moment. J'aime beaucoup mes amis. J'ai des amis, elles sont très gentilles. Et parfois, je joue avec eux, je suis très contente. Il était une fois, j'ai un ami qui s'appelle Bessière. On donnait des blagues et on jouait. Quand c'était la récréation, on mangeait tous ensemble. On n'avait plus de force pour travailler en classe. Et j'ai eu la moyenne de 9. Avez-vous des conseils à donner à vos amis? Moi, je dis à mon ami d'écouter quand Madame Charette parle pour pouvoir réussir. Il faut respecter les gens, il faut respecter les règles et ne doit pas piétiner les autres. Moi, je dis à mon ami d'être gentil avec sa maman, de partager avec les autres, de ne pas faire semblant d'être être l'ami des autres. Merci. Je dis à mes amis de ne pas donner des coups aux enfants. Je dis à mon ami de ne pas salir la cour de l'école. Je dis à mes amis de faire silence en classe, de ne pas bavarder et de ne pas déranger la classe. Je dis à mes amis de travailler, d'étudier. Les filles, il faut respecter les parents parce que les parents font de grands sacrifices pour vous. Les filles, il faut aimer les professeurs et de les obéir parce qu'elles nous apprennent beaucoup de choses. Après tout ce que nous venons de dire, tout au long de notre causerie sur l'amitié, nous vous laissons avec ce conseil. Soyez juste et sincère envers vos amis. Souvenez-vous que l'amitié ne s'achète pas. Elle se construit au jour le jour. Merci. Avec regret, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous qui avez suivi cette émission jusqu'au bout, nous vous disons merci de tout cœur. Et nous voulons aussi remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette émission. Tout d'abord, nous remercions notre directeur Lise Glyn et Yacine. Ensuite, nous remercions nos directrices pédagogiques, Madame Myriam et Madame Clarty. Nous remercions aussi nos techniciens pour leur patience. Et vous qui allez partager cette émission, nous vous disons merci. Merci pour vos commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. À la prochaine! Mouah.